do this. Just give me. Mesdames et messieurs, la conférence au sommet des sept pays conviés à Versailles, avec les représentants des communautés européennes, a tenu ses séances de travail et vient de les achever par l'adoption d'une déclaration. Cette déclaration a bien entendu été adoptée par tous et représente donc un consentement général. Ce document vous sera distribué, si ce n'est déjà fait, dans les langues correspondantes. Et pour vos travaux de commentateur, vous pourrez les consulter et vous reporter au texte lui-même afin d'en apprécier la teneur. Nous sommes venus ici vous rencontrer, chefs d'État, chefs de gouvernement, autorités des communautés européennes, non pas pour engager un dialogue. Cela sera fait par chacun d'entre nous devant la presse, en particulier devant sa presse nationale ou toute autre presse qui souhaiterait nous entendre. La déclaration que je fais devant vous, que je vous adresse, et au-delà à ceux qui dans mon pays et dans les autres, nous entendent, tente à faire comprendre que ce sommet s'est déroulé dans un climat de travail, de coopération, de compréhension, et je crois pouvoir le dire, les relations d'amitié indispensables pour qui dispose d'une responsabilité aussi étendue que la nôtre. Nous avons successivement examiné les problèmes que vous savez, inscrits à l'ordre du jour. Nous sommes restés fidèles à l'ordre du jour lors des séances plénières.
Nous avons étudié ce que l'on appelle l'état du monde, certaines zones sensibles où se jouent la paix et la guerre. Nous avons étudié les relations entre l'Est et l'Ouest. Nous avons étudié les relations entre le Nord et le Sud. Et nous avons débattu des problèmes qui nous sont propres. Problèmes économiques, financiers, commerciaux, touchant particulièrement aux doivent être préservés les droits, les obligations des institutions spécialisées. Mais en fait, tout cela a été exactement précisé afin que je dise que notre souci principal sur le plan économique était de dans la lutte contre le chômage et pour le... À cette fin, nous nous imposons un certain nombre de règles ou de lignes de conduite. Nous n'avons pas prétendu décider pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui ne participaient pas au sommet, et dans la finalité et le respect des principes de la paix. Et particulièrement sur le plan des régimes politiques, les traditions, les mœurs, les institutions démocratiques. Nous avons beaucoup discuté, échangé nos points de vue, lors des repas qui étaient à nous entretenir de tous les problèmes qui sollicitent notre attention. Gracias.